L'application Réglage du système Q est toujours accessible sur l'écran d'accueil. Elle vous permet de personnaliser votre utilisation du système. Vous avez plusieurs choix et il n'y a rien comme essayer pour vous faire une idée de ce que le système peut offrir. N'hésitez pas à parcourir les différents menus. Je vous montre comment faire ici. Donc, vous allez voir que c'est facile. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Réglage, juste ici en haut à droite. Et c'est ici que vous pouvez changer la date et l'heure, par exemple, et vous pouvez également changer la langue de fonctionnement du système. Vous pouvez en outre programmer le mode de verrouillage. Vous avez plusieurs fonctions qui apparaissent ici, comme on peut voir. Donc, le mode de verrouillage qui vous permet de verrouiller le système de divertissement. Vous avez les commandes au volant et les compartiments de rangement. Vous arrivez ensuite au réglage propre au véhicule, donc vous pouvez ici programmer un bon nombre de caractéristiques. Alors, on va y aller ici dans Véhicule, au niveau du confort et des commodités de votre Cadillac. Pour connaître toutes les possibilités, appuyez sur les touches des différents menus, donc confort et commodité par exemple. Et pour venir en arrière, il y a toujours le bouton Retour. Si vous perdez le fil, appuyez sur le bouton Accueil, comme ceci, pour venir à l'écran principal. Le système Q n'a rien de compliqué. Mais comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, le meilleur moyen d'en apprendre plus sur son fonctionnement est de vous asseoir dans le véhicule et de toucher l'écran. Son utilisation est simple et intuitive. Une fois que vous aurez personnalisé certains des réglages selon vos préférences, vous allez aimer votre Cadillac encore plus que lorsque vous l'avez vu dans la salle de monte. L'expérience utilisateur Cadillac devrait vous plaire.